C'est en référence, bien sûr, à l'ineffable Gérard Deltel qui, à lui seul, vient de remporter la Coupe Jean Perron d'un seul souffle. Est-ce que l'autruche caquette? Nous le saurons plus tard. Il y en a qui ont dit ouh. Guitare. Mais juste avant, là, je trouve que vous êtes belle et beau et nombreux et vous, oui, indépendantiste et manifestement, vous êtes l'expression de la volonté de faire en sorte que plus jamais le projet d'indépendance ne soit balayé sous le tapis, sous le l'épais tapis, le lourd tapis, le poussiéreux tapis de la gouvernance provinciale. Quand bien même cette gouvernance-là serait faite sous le signe de je ne sais quel faux espoir de progrès vers on ne sait pas trop quoi, comme si on se faisait des amis en gouvernant, comme si le fait de dire qu'on peut améliorer quelque chose dans le Canada, c'était pas en même temps dire que l'indépendance, ça peut attendre à, je sais pas trop quand, plus tard. Excusez, je me choque, faut que je joue de la guitare. Non, mais comme si le Québec méritait encore et toujours et pour encore longtemps d'être confiné à discuter avec l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, Terre-Neuve, pendant que les vraies décisions sur des choses importantes comme l'environnement, des affaires comme ça, se discutent dans les grandes capitales prestigieuses comme Paris, Londres, Washington ou Ottawa. Excusez, ce n'était pas un gros mot. OK, je vais jouer de la guitare. C'est une chanson qu'un ami a écrite 10, 12, 15 ans, alors qu'il était en peine d'amour et aussi en peine référendaire. J'aurais voulu te dire oui, mais là n'est plus la question. Tu sais, j'en avais envie, c'est toi qui as dit non. I'm
sans Si je t'ai bien compris, tu m'as dit. C'est écrit sur les affiches, je pense. La prochaine, c'est maintenant. C'est maintenant! Big bang!